Ce convoi contient plus d'une centaine de véhicules. Il a passé sur le site où la barricade a été tenue pendant 78 jours. Le convoi a continué en passant par Oka, puis vers le site où les condos sont en cours de construction. Trois décennies après la crise, la revendication pour la terre de Genesetake n'a pas été résolue. Après le convoi, Hélène Gabriel, la porte-parole de Genesetake en 1990, a lu un message venant de Mohawk Longhouse. En ce le 11 juillet, nous nous rappelons et honorons les femmes, les hommes, les aînés et les enfants qui ont tous joué un rôle important durant l'été de 1990. L'été de 1990 sert à rappeler que les Gonyangahawk étaient prêts à défendre leur terre et à protéger leur peuple par tous les moyens nécessaires.